Si, on le voit regarder. J'ai l'habit mode, mais non. Ah, mais le mec, il mytho pas, quoi. Il cheat. Oh. Et donc, on a un don pour moi. Alors, don de Jebrenandela, de la fac La Révolution. La purée. Ouais, bon. Ça va, ça va, ça va. Ça va, deux spawners, deux blocs d'émeraude, donc ça se revend pas mal au shop, et deux crânes Twizzer. Et en parlant de spawners, c'est ce qu'on va faire ça juste dans cet épisode. Donc merci à toi, Jebrenandela. Merci à toi, Bou. Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Fanto23 et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Acaria, donc l'épisode 16, il me semble, de la V2. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, donc j'ai jamais fait ça encore et je sais pas du tout si c'est vrai, si c'est du fake ou pas. Mais en tout cas, on va voir ça juste après. En fait, on m'a donné des coordonnées de spawner, voilà. Donc, un abonné à moi m'a donné des coordonnées de spawner. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va aller voir si c'est des vraies coordonnées, si c'est pas des coordonnées fake. J'en ai en tout, il m'en a donné 11. Et après, voilà, il m'a même donné des coordonnées de base que je n'irai pas piller parce que c'est tout simplement cheaté. Enfin, voilà. Déjà, les coordonnées spawner, c'est déjà relativement pété. Donc, écoutez, ce que je vais faire, c'est qu'on va se armer du F3 pour cette vidéo et on va chasser les spawners. À tout de suite. Ok, donc relégeant, là honnêtement j'y crois moyen parce que tout simplement, enfin on est vraiment au milieu d'un désert. What the fuck? Ok, bon là j'en ai deux maintenant. Bon, mais merci à la duplication. Donc ouais, j'y crois moyen, il m'a donné ces coordonnées-là honnêtement. Alors attendez, je relis 2636 et 882. C'est bien ça, on va tomber quand même sur deux blocs parce que j'ai pas envie de me faire de me prendre de la lave ou quoi sous les pieds. Donc écoutez, si c'est vrai, je vais lire le message qu'il m'a laissé. Remarque, je peux le lire. Oh putain. Spawner à quoi? À Creeper? What the fuck? Attendez. C'est possible ça? Alors. Ah non, spawner araignée, ok. Bonjour à toi, Fanto23. Aujourd'hui, je te donne des coordonnées de spawner pour que tu puisses farm tranquillement. Ne dis pas mon pseudo dans la vidéo, merci. Du coup, il veut pas qu'on lise son pseudo. Je sais pas comment on va descendre parce que là, les creepers, s'ils commencent à péter, ça va un peu être chiant. Bon, écoutez, on va y aller comme ça doucement. Ok. Ok. Temps d'axe. Alors, voilà, nickel. Un spawner en plus. Boum 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 boum. Ok. Bah écoutez, on se retrouve pour le deuxième spawner. À tout de suite. Hein. Et en plus, d'ailleurs, attendez, il est pas loin. Ouais, il est pas loin. Là, tout de suite. Et donc on se retrouve au deuxième coordonnée qui était vraiment très proche. Hein. Nous, là, au début, on était juste là-bas. Là. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre. On va redescendre encore sur deux au cas où il y a des creepers. Mais j'ai vraiment pas l'impression que c'est du fake. Ouais. Si, on le voit regarder. J'ai l'habit mode, mais non. Ah, mais le mec, il mytho pas, quoi. Il cheat. Oh, mais il donne que des spawners à araignées, là, c'est pas possible. Moi, je veux autre chose. Bon, RIP. Si on a que des spawners à araignées, on aura que des spawners à araignées, hein. En plus, j'ai l'impression qu'il a déjà été visité. Enfin, c'est bizarre comment il était là, ce coffre. Ouais, de la rotten flèche. Je sais pas si c'est possible. On va prendre ça, on va prendre les fils aussi, ouais. D'un canon important, ouais, bon, voilà le saut. Écoutez, on se retrouve pour l'autre spawner. À tout de suite, et donc on les enchaîne. Donc là, comme vous voyez, même dans les coordonnées, en fait, vraiment, je les enchaîne parce qu'ils sont vraiment très proches. Alors, est-ce que c'est vrai? Ouais, on le voit là-bas. Là. Oh là là, ah, mais c'est dingue quoi. Je sais pas comment on y fait quoi. Imaginez, ah, squelette, ok, ben nickel, 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 nickel. Imaginez un modo genre me regarde en ce moment. Je passe vraiment pour un débile. Hein. Mais écoutez, on remonte.
Enfin, je passe surtout pour un cheater finalement. On remonte, ben on se retrouve pour le prochain, là tout de suite. Ok, nouveau spawner, et là ce qui est intéressant c'est qu'il y a de la cobble. Donc quelqu'un est déjà passé par là, mais il n'a pas dû voir le spawner. Si il cheat pas aussi, c'est un peu normal. Je sais pas comment il fait quand même. Mais je pense que. Ok, ben nickel, hop. Je pense qu'il a un cheat. Il y a combien de zombies à stacker? What the fuck? Bon, ça va que deux. Ça va. En plus, on gagne pas mal d'étiquettes, pas mal. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est rentable parce que les étiquettes, c'est rare, on peut pas les crafter, donc. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, on se retrouve pour le prochain, là, tout de suite. Hein. Ok, intéressant, c'est que. Bon, là, on est arrivé, du coup, là, c'est ces coordonnées-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on le voit, regardez. On le voit tourner là-bas. Alors que, enfin, en temps réel, quoi, je l'aurais même pas vu, finalement, en fait. Parce que, bon, je rate pas le sol, quoi. C'est-à-dire qu'il est vachement proche, en fait. Allez. Ah, la zombie. Bon. Toujours pas mal. On va pas se plaindre. Hein. On pourrait ne rien avoir. C'est bizarre qu'il a même pas de focus sur moi, quoi. Il s'en bat les couilles du zombie, quoi. Non, je l'ai même pas eu. Ah non, il est là. Voilà, j'ai flippé. Donc là, les étiquettes, les fils et la poudre. Bon, on se retrouve pour un prochain, tout de suite. Et donc là, on a totalement changé d'endroit. On se retrouve quand même en moins 433 et 1346. On descend. On descend. Et ouais, on le voit là-bas. On était profond, j'ai eu peur quand même. Un autre spawner à zombies. Ils sont combien? Alors, nickel. Ensuite, là-dedans, il y a le fil de saut. Et là, fer, boum, boum. Et une selle, voilà. Mais écoutez, à tout de suite. Oh là là, les amis. Donc là, ouais, vous reconnaissez l'écho. On était, il me semble, là, juste ici. Alors, en fait, donc là, je vois les coordonnées. Je vois moins 421. Du coup, je me dirige en moins 421. Et après, je vois moins, enfin, 1359, donc ici. Donc vraiment, je suis bigleux de manière relativement puissante. C'est-à-dire que j'ai même pas d'œil finalement. Parce que normalement, on aurait dû le voir. À part si c'est du fake. Ouais. Ouais, je pense. Que c'est du fake. Ah ben non, c'est pas du fake. On ne le voit pas. Je le voyais toujours pas. Je trouve que vous l'avez déjà vu depuis à peu près 4 heures. Voilà, j'ai vraiment des problèmes de vue. Enfin, normalement, j'en ai pas. Mais bon, pour la vidéo, j'en ai bon, mais comme d'hab, hein, on se retrouve après, à tout de suite. Hein. Et donc, on se retrouve en plein milieu de l'eau. RIP, ma vie. Parce que c'est les coordonnées d'ici. Et ouais, on le voit direct. Alors. Wow, il avait miné ici, hein. Il a miné par là, ouais. Ah, c'est-à-dire qu'il est venu carrément. Enfin, je sais pas, c'est relativement bizarre. Hop. Voilà. Et comme d'habitude, on se retrouve au prochain. À tout de suite. Et donc, on voit même le spawner. Allez, on vote tout ce squelette là. J'espère. Croiser les doigts. On voit même un deuxième. Oh, what the fuck? Ok, squelette. Et on en a vu un deuxième. Hein. What? Ok, merci. On en a vu un deuxième par là-bas, non? Ouais. Ah bah ok, putain, deux en un. C'est efficace, moi je dis. Hop, alors. Hop. On prend comme d'hab les étiquettes et tout ça parce que c'est pas craftable. Et le fil poudre de creep pour les TNT, et voilà. Donc écoutez, on se retrouve pour le prochain. À tout de suite. Et donc, l'avant-dernier spawner enfin. Parce que relativement, c'est quand même relativement chiant de faire ça. Même s'ils sont très proches, en fait. Il y avait vraiment trois zones finalement. Bon, celui-là est profond, j'ai l'impression. Ouais, c'est bon, on le voit. Nickel. Alors. Oh yes, squelette. Yes. Ah, j'espère vivement là qu'il règle le problème là. On va le récupérer maintenant. Vivement qu'il règle le problème des mobs stackés là, parce que c'est chiant ça quand même. Écoutez, on se retrouve pour le prochain et pour le dernier. À tout de suite.
Et voilà, donc dernier spawner enfin. Alors, mais du coup, quand même, un grand merci à lui, hein, parce que, ouais, il m'a mis bien. Et du coup, si vous voulez que des fois je fasse des chasses au trésor ou quoi, eh ben, pas de souci, hein, vous m'envoyez des coordonnées du genre, vous allez cacher un objet là-bas, enfin, une partie là-bas, une partie là-bas. Après ça, le tout, ça fait un puzzle. Et une fois que j'ai réglé le puzzle, ben, ça m'emmène à des coordonnées précises. Ou après, je sais pas, vous mettez ce que vous voulez, du stuff, voilà. Vraiment ce que vous voulez, je ferai ça du coup en vidéo, si ça vous intéresse. Alors, donc écoutez, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Là, je me suis trompé. Donc voilà, tout ce qu'on a eu. Donc, 6 spawners à zombies, 3 spawners à squelettes et 3 spawners à spider. Et voilà, après toutes les selles et tout qui va avec. Donc écoutez, à plus les gens, au revoir. N'hésite pas à mettre une montagne de likes juste en bas de cette vidéo. N'hésite pas à regarder ma dernière vidéo si ce n'est pas encore fait. Et abonne-toi pour ne louper plus aucune sortie de vidéo. À plus.